Salut! Salut Alain! Félix, ça va? Tu vas bien? Tu nous fais visiter? Un petit peu, si tu D'accord, veux. Je vais allez. essayer de me Ok. souvenir un petit peu de ce Nous qu'il en est. arrivons au premier bâtiment, qui est le bâtiment principal, ce que l'on appelle pour nous le CLSH, c'est-à-dire le centre de loisirs sans hébergement. C'est un centre qui a été bâti parce qu'il y avait un certain nombre de besoins, en particulier un besoin vis-à-vis des jeunes et des gamins qui étaient des enfants des personnes travaillant à France Télécom. Donc France Télécom nous a permis d'acheter ce site et ensuite nous a demandé de l'autorisation de construire ce bâtiment afin d'y créer un centre aéré. Donc le bâtiment, à un moment donné, appartenait à France Télécom, mais construit sur un terrain qui appartenait à la SPTT. Depuis quelques mois, puisque en fin de l'année 2016, nous avons fait l'acquisition de ce bâtiment. Maintenant, nous sommes donc propriétaires de l'ensemble du site, ce qui est un avantage non Donc, négligeable, ce bien sûr. bâtiment est construit sous forme de modules. Il y a plusieurs modules. Le premier module que nous avons ici devant, c'est un module qui concernait la restauration pour les enfants du centre aéré. Ce module est transformé aujourd'hui en salle de réception pour accueillir des rencontres et des événements festifs. Ensuite, nous avons un module central dans lequel se situe l'administration, c'est-à-dire toute la gouvernance avec le secrétariat de la SPTT, et puis un certain nombre de salles de réunion et de structures qui permettent de pouvoir accueillir le clubhouse du football loisir. Et puis ensuite le troisième module qui lui est plus dédié à la partie billard. Mais qui à l'origine était Alors conçu cette pour structure-là, à les enfants. l'origine, était conçue pour c'était une zone d'animation pour les enfants, avec une zone dédiée à une piscine démontable, qui aujourd'hui va être transformée et rénovée pour devenir une zone utilisée par le black ball. Donc en face de ce bâtiment que l'on appelle le CLSH, on trouve une zone arborée, dans laquelle, plus au fond, c'est-à-dire il y a à peu près 50 ou 60 mètres, on a une pièce d'eau, un petit étang. Et puis ensuite, sous ces arbres, ces magnifiques sapins, on a créé un espace qui nous permet de pouvoir accueillir des véhicules, environ 40 à 50 véhicules, pour pouvoir justement permettre aux gens de pratiquer leurs activités, qu'elles soient sportives ou festives, dans le bâtiment de gouvernance. C'est bon. Oui, donc maintenant on va s'avancer un petit peu vers le site pour découvrir un certain nombre de structures. L'une des premières que l'on va découvrir là maintenant, c'est ce que nous on appelle le garage. C'est une zone de stockage et une zone qui nous permet de pouvoir ranger et stationner l'ensemble des matériels, parce que nous avons l'entretien du site, bien sûr, et cet entretien-là nécessite du matériel. Donc ce matériel, nous avons des tracteurs, nous avons des tondeuses autoportées, et puis nous avons également un véhicule 9 places de l'association qui permet aux adhérents de pouvoir se déplacer lors de manifestations ou lors de compétitions. Ensuite, nous allons avoir un autre bâtiment dans lequel se situe la salle de tennis, enfin une des deux salles de tennis, puisque nous avons deux salles de tennis, et c'est une salle qui est dédiée maintenant au tennis et également au futsal, puisque nous avons depuis 2 ans intégré une section futsal qui d'ailleurs se développe très très bien et qui a permis d'ailleurs également une rénovation de l'ensemble de ces salles. La transformation de l'espace tennis-futsal a permis de rénover l'ensemble de ces salles avec une satisfaction réciproque des deux sections, tennis et futsal.
Donc là, la partie basse de l'ensemble, là. Alors cette partie basse, là, est la partie initiale qui est notre première salle de tennis, qui est également une salle de futsal. Et c'est l'une des premières structures qui a été montée sur le site. Puisqu'au départ, il n'y avait qu'une salle de tennis. Ensuite, bien sûr, il a été nécessaire d'augmenter un petit peu le nombre de structures, puisque les adhérents se faisant de plus en plus nombreux, on avait des besoins qui étaient également supérieurs à ce qu'ils étaient initialement. Donc on a eu l'occasion de pouvoir construire une deuxième salle pour pouvoir accueillir justement ces nouveaux adhérents à la SPTT du Pays de l'Orient. Alors là, on arrive sur un équipement qui a été construit d'une manière un peu spécifique pour accueillir la gymnastique. Nous avions une section gymnastique à un moment donné, donc on avait un besoin. Et ce besoin a été satisfait à un moment donné, ce qui nous permet d'avoir une salle aujourd'hui qui est très intéressante et dans laquelle se déroule la Zumba, puisque nous avons une section Zumba également. En dessous, il y a les vestiaires. Là, c'est l'espace de la section pétanque. Oui, donc ici on arrive sur un espace, cet espace qui est dédié essentiellement à la pétanque. C'est un espace qui était initialement à l'historique, lorsqu'on a acquis ce site, qui était dédié à un centre hippique, puisque le site ici appartenait au foyer des jeunes travailleurs de l'Alester et qui avait implanté un centre hippique. Et il y avait un manège. Et c'est un petit peu ce manège qui, à certains moments, nous a généré un certain nombre de problèmes lorsque nous avons acheté le site, parce qu'il a fallu le déconstruire. Et donc, à ce moment-là, pour que les personnes jouant à la pétanque puissent s'exprimer, eh bien, il a fallu créer de la place, créer de l'espace. Donc, on a créé cet espace pour qu'ils puissent jouer à la pétanque. Donc là, le fameux chalet qui est le clubhouse de la section pétanque. Oui, ce clubhouse, c'est un des, si ce n'est le plus ancien bâtiment dédié aux sportifs, puisqu'il y a plusieurs types de structures. Il y a une structure habitation, puis ensuite les structures sportives dont on a parlé un petit peu. Et ça, c'est une des plus anciennes structures qui est dédiée aux sportifs. Donc c'est un bâtiment qui permet à la pétanque d'avoir son clubhouse et qui nous permet aussi d'organiser un certain nombre de rencontres, de réunions, d'assemblées générales, etc. Puisque c'est un espace qui est intéressant et puis qui est assez convivial. Donc là, on est devant un chantier. Oui, c'est un projet, puisque depuis qu'on a été élu là, en 2016, on a décidé avec le président et le conseil d'administration de se lancer un petit peu sur certains projets pour pouvoir assurer le développement sportif de la SPTT. Et dans ces projets-là, 4 projets, 4 ans, il figure le projet que l'on peut considérer comme le plus important, c'est celui de la construction d'un boulodrome couvert qui permettra une évolution non négligeable de la section pétanque. Donc ce boulodrome sera situé sur cet espace là que l'on a devant nous et qui devrait être construit, terminé au mois de septembre à peu près. Alors, terrain de football de la section football loisirs. Oui, c'est le terrain de football, puisque nous n'avons plus aujourd'hui qu'une section loisirs vétérans en ce qui concerne le football. Donc ce terrain a été construit, a été installé à une période où la section football était importante. Il faut quand même pas oublier que le football ici, en 1971, est à l'origine de la création de la SPTT. Donc ça a toujours été une section importante qui a perdu un petit peu de sa notoriété, mais qui existe toujours. Donc ce terrain a vu passer d'ailleurs un certain nombre de joueurs intéressants, puisque à un moment donné c'était la zone d'entraînement du football club de Lorient, club professionnel. Donc j'ai eu l'occasion de voir ici les Gourcuff, Christian Gourcuff, avec l'ensemble de certains professionnels qui ont évolué pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, pour s'entraîner lorsqu'ils n'avaient pas les structures qui étaient les structures adaptées. C'est aussi une zone qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui parce que c'est celle sur laquelle s'exprime notre section cricket.
puisqu'à la SPTT, nous sommes le premier club à SPTT en France à avoir créé, avec des migrants pakistanais et afghans, une section cricket, puisque c'est leur sport national, c'est leur sport favori. Et ils sont venus nous voir pour savoir si on était capable, aujourd'hui, à la SPTT, de mettre à disposition un espace. Et cet espace-là est l'espace sur lequel ils peuvent évoluer, donc avoir des rencontres, etc. Et ce qui est extrêmement valorisant pour la SPTT, bien sûr, de pouvoir intégrer dans son système de gestion une section de ce style-là. Pardon. On est devant l'axe entrée principal. Bon, c'est toujours une entrée. Oui, c'est toujours une entrée importante. Importante, hein. Mais par rapport aux adhérents d'aujourd'hui, avec la pratique telle qu'elle a évolué, les gens rentrent plutôt par l'autre porte. Là-bas. Les gens rentrent plutôt par l'autre porte, puisque c'est beaucoup plus pratique d'entrer de l'autre côté que de ce côté-ci. Et puis ce côté-ci, il était un petit peu dédié à cet espace que l'on appelle, nous, l'ancienne ferme. Un espace qui est particulier puisqu'il concerne une maison d'habitation, hein, la maison dans laquelle se situait le gardien lorsque nous en avions un, et puis ensuite une longère dans laquelle se situaient, fut un temps, des écuries. Donc ces espaces-là sont aujourd'hui dédiés à des partenaires, puisque pour pouvoir fonctionner ici, nous sommes propriétaires du site, bien sûr, mais nous avons des besoins importants, c'est la manière de gérer le site. Et nous avons besoin de créer des partenariats pour que ce site puisse vivre correctement et que nous puissions vivre avec le site. Donc il y a dans cette structure des partenaires, deux partenaires principaux qui sont pour l'un le LAC, les amis du collectif de Kerfio, qui malheureusement, comme beaucoup d'associations, va arrêter ses activités, mais nous allons avoir une autre structure qui va prendre cette place-là, puisque ce sera le comité départemental de pétanque du Morbihan. Et puis ensuite, ce que l'on a dans la longère, c'est la maison des aidants, qui est une structure extrêmement intéressante pour la SPTT également. Donc, au sein de la SPTT Pays de l'Orient, donc vous avez une section voile croisière, hein, oui. Qui est assez ancienne en fait. Ça fait quand même combien de temps? L'origine du le premier bateau, comment ça s'est créé, comment ça s'est développé ce? Ben, c'est-à-dire qu'au départ, il y a eu une section ici qui était associée au centre aéré. Il s'agissait de petits bateaux. Et qui était situé, je crois, les premiers étaient à Port-Louis, ensuite c'était vers au Lapin Blanc, à l'Armour-Plage. Et puis,
Et puis est venu naturellement là, un besoin d'acheter un bateau. Alors, un bateau, quel type de bateau? Et les personnes qui étaient là à l'époque ont sollicité les structures de France Télécom pour acheter un bateau qui était un bateau de croisière de 11, 12 mètres pour pouvoir justement permettre à l'époque aux agents de France Télécom et de La Poste de faire de la voile, découvrir le sport d'une manière générale, c'était le but des ASPTT, et puis ensuite découvrir la voile d'une manière particulière, puisqu'ici on est à Lorient, on est quand même bien placé pour ce qui est de l'ouverture sur la mer. Et puis ces bateaux, progressivement, ont été changés et on est arrivé tout dernièrement à acheter un bateau neuf, hein, un Dufour 382 qui est un très beau bateau. Hein, de toute Oui, tout façon, à fait, je l'ai vu. tu l'as vu. Donc, c'est un bateau qui permet en plus de permettre aux adhérents de faire de la voile croisière, qui permet aussi d'accueillir des personnes à mobilité réduite en situation de handicap, ce qui n'est pas inintéressant. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, puisque nous, ici, nous avons un site sur lequel évolue l'ensemble des sections, sauf la section voile, qui est quand même une section importante, puisque c'est aujourd'hui la section la plus importante de la SPTT du Pays de Lorient. Et le bateau est stationné au port de Lorient, et c'est à partir de ce port de C'est-à-dire Lorient, à la base là-bas. à la base, oui, la cité Éric Tabarly. Et c'est à partir de cet endroit que les adhérents, avec un skipper dédié, voguent sur les océans, puisque ces bateaux-là, pas celui-là, mais les bateaux précédents, ont fait Les grandes des croisières, grandes oui. croisières. Ils ont traversé l'Atlantique, d'ailleurs, hein, ces bateaux ont traversé l'Atlantique, sont allés à Lisbonne, vont au Scilly, etc. C'est un bateau qui fait Oui, et 12 puis mètres, donc qui est très très bien équipé pour pouvoir très confortable, assumer ce genre j'ai vu, il y a neuf d'installation. couchages possibles. Non, c'est un bateau qui est Oui, tout à fait. Oui. très très bien, et c'est justement l'un des premiers dans les quatre projets qui étaient les nôtres. C'est le premier projet sur les 4 ans D'accord. qu'on a mis en place et qui aujourd'hui Il permet vit bien, il Il vit vit bien. bien et permet aux gens de pouvoir en profiter. On D'accord. espère que ça va continuer et que ça va permettre à un plus grand nombre, le plus grand nombre possible, de pouvoir profiter des bienfaits de la mer et de la voile. Ok, merci beaucoup. Mais je t'en prie, ça a été un plaisir de pouvoir donner un petit peu quelques informations concernant la SPTT du Pays de Lorient.